Avant de te dire adieu, je vais te révéler ce que tu désirais tant savoir. Désormais, je n'ai plus besoin de mentir. Il est temps que tu connaisses toute la vérité. Au point où nous en sommes, plus rien n'empêchera le coup d'état des Uchiwa. Si la guerre civile éclate à Konoha, les autres puissances attaqueront. Danzo ne me fait plus du tout confiance. Il est fermement résolu à protéger le village, et cela par tous les moyens possibles. Protège Konoha, et le nom des Uchiwa. Tiens, prends-la. La situation n'est plus tolérable, il faut agir sans tarder. Ce que dit Koharu est vrai. Le clan des Uchiwa ne fera pas machine arrière. Il faut les frapper avant qu'ils ne frappent. Tu oublies qu'une guerre contre le clan des Uchiwa ne sera en aucun cas une partie de plaisir. Il doit y avoir une autre solution, nous allons la trouver. Non, il n'y a plus une minute à perdre. Les Uchiwa ont tous été mes compagnons d'armes. Nous devons privilégier le dialogue et éviter de recourir à la force. Laisse-moi un peu de temps pour trouver un plan. Peu importe si ce conflit devient local, régional ou global, cette tentative de coup d'état sonnera le glas pour le clan Uchiwa. Si ton cadet voit tous les membres de son clan se faire massacrer par des ninjas de Konoha, tôt ou tard il cherchera à se venger, c'est indéniable. Auquel cas, et je le regrette profondément, Itachi, il devra mourir. Bien, tu peux t'arranger pour éloigner Sasuke et te joindre à nous pour détruire les Uchiwa avant qu'ils ne commettent l'irréparable. Itachi, tu n'as pas vraiment le choix. C'est l'unique moyen de sauver ton frère. Je sais que tu as à cœur le bien de Konoha. Crois-tu que tu seras capable de faire le bon choix? Comment as-tu découvert qui je suis réellement? Je t'ai surveillé et en décryptant le moindre de tes faits et gestes, j'ai pu découvrir ta réelle identité et tes motivations. Voilà qui facilitera la discussion. Je t'aiderai à te venger du clan des Uchiwa. Tu épargneras Sasuke Uchiwa. J'ai compris. Tu travailles pour l'autre camp, c'est ça? Oui, père. Mère, je... Veille à ce qu'il n'arrive rien à Sasuke. Même si nos opinions divergent, je suis toujours aussi fier de toi. Je sais que je n'aurai plus jamais à revivre ça. Maintenant, tu sais toute la vérité. J'aurais dû te faire face bien plus tôt. Je n'exige pas ton pardon, petit frère. Quoi qu'il advienne, rappelle-toi que je t'aimerai toujours.